Et coucou mes chéris, c'est Christina Cœur du Lâche. Vous allez adorer le thème que j'ai choisi cette semaine shopping. Le thème de cette semaine est tendance, même quand on est moche. Un budget de 1,99€ est donné aux candidates. Elles auront un temps imparti de 30 secondes pour choisir leur tenue dans les boutiques et les présenter aux autres candidates qui seront bien évidemment notées. Et bien évidemment, la gagnante sera annoncée à la fin de cette émission. Et bien, vu qu'ils ont quand même un budget de 1,99€, il faut bien sponsoriser cette émission. Et donc, je vous présente le partenaire du jour avant de débuter l'émission. Allez, bonne chance les filles! Je vais me connecter sur mon site préféré pour gagner des Robux gratuits. Je t'explique en même temps, connecte-toi avec ton pseudo Roblox, le site ne te demandera jamais ton mot de passe. Va à gauche dans l'onglet gagner et là tu peux gagner des Robux en jouant à des jeux ou juste en regardant des vidéos. Par exemple, je clique sur Offer Taureau, je peux choisir l'appareil sur lequel je suis. Par exemple, je prends un téléphone Android et je peux jouer à des jeux pour obtenir des points. Donc je peux télécharger des applications, y rester pendant quelques secondes et ensuite je gagne des points. Clique sur le texte promo code à gauche et tape 15L pour obtenir des Robux gratuitement. Ensuite, on va récupérer nos Robux. Pour cela, va t'en retirer, choisis le montant, puis va dans le Select Game et choisis l'option qu'on te propose. Clique sur Create New, ça va t'ouvrir une nouvelle page. Clique sur Gérer mes jeux, puis Game Pass. Crée ton Game Pass si tu ne sais pas le faire, je t'explique. Choisis n'importe quelle image et n'importe quel nom, ça n'a pas d'importance. Puis clique sur Preview, ensuite sur Verify Upload. Une fois créé, va sur l'écrou et configure. Dans Sales, active et mets le prix de couleur jaune. Tu recevras le prix en blanc car Roblox déduit des taxes d'une valeur de 30%. Sauvegarde et reviens sur Gems Loot. Clique sur Change, ça va te montrer le Game Pass que tu viens de créer. Clique sur Buy Game Pass. Pour être sûr, tu peux appuyer sur View Transaction in Roblox et tu verras les Robux qui vont arriver sur ton compte. La transaction peut prendre entre 1 à 7 jours en moyenne et voilà, enjoy tes Robux gratuits. Only have some fun. Life is like a romance. Every try I call my friends. Life is like a romance. Yeah, have some fun. Bonjour, je dois me présenter, c'est ça? Ouais. Ouais, bah écoutez, moi c'est Colette. J'ai 21 ans, j'habite dans cette maison. Oui, je sais, il y a une rumeur qui dit comme quoi j'ai tué mes parents, mais c'est pas vrai, ils sont juste en voyage depuis 4 ans. Ne vous inquiétez pas. Bon, suivez-moi, je vous présente ma maison. Voilà, donc là c'est ma maison. Pourquoi c'est bleu? Pourquoi j'ai... Parce que je n'aime pas la lumière du jour. Voilà pourquoi. Pourquoi c'est bleu? Arrêtez de me poser des questions bizarres. Vous voulez voir mon dressing, c'est ça? Est-ce que j'ai un dressing? Je sais même pas si j'ai un dressing. Je crois que si. Ça doit être quelque part vers là. Oui, regardez là. Là, c'est mon dressing. Alors, habituellement, je m'habille toujours en noir et en blanc. Je trouve que c'est des couleurs. Elles sont vachement bien. Voilà. Regardez, j'ai une chemise. J'ai 3 t-shirts. Et ouais, non, j'aime bien. Ça va. C'est cool. Ok. Bon, c'est quand que vous me payez, là, pour l'émission? 20 visites, c'est combien? 100$, l'émission? Pas rabouler le fric, là. Je m'achète une bière. Ouais, c'est ça, ouais. Oh mon dieu, c'est magnifique. Ça me fait penser à Thomas le Train. C'est trop magnifique. La tenue, oh, bravo, ma chère, bravo. Ouais. Vas-y, mets tout. Bien. Regardez, je me donne à fond, là. Ah, c'est incroyable, moi je félicite, hein. Incroyable, waouh, une beauté. Il est catastrophique ce pantalon. C'est une danse. C'est incroyable. Ah, moi j'adore. Et ce style, cette pelle, ceci, c'est. Moi je donne un 10 sur 10. C'est incroyable. Alors moi, personnellement, j'ai adoré son style. Ça m'a fait penser à Thomas le Train dans l'épisode 62 de la saison 8. Il y a beaucoup d'originalité. Par contre, elle reste toujours aussi laide. Je mets la note de 8. Alors franchement, son style,
On dirait une Darcy à souquet, là. J'en peux plus. En plus, ils croient tous qu'ils vont gagner, alors que bon, on sait tous qu'ici que c'est moi qui vais gagner. Franchement, regardez ma beauté. Mais bon, en dehors de ça, ses coiffures, on en parle. On dirait qu'elle vient de se réveiller. Mais bon, moi je lui donne la note de 5 sur 10, au moins elle a essayé de faire l'effort de venir. Mais ma chérie, revois ton style en fait. Hein. Là, on dirait plus une Dark Sasuke de 2010 qui se dit qu'elle voit de la monster et qu'elle est dépressive. Hein. Franchement, son style, bon, elle a fait l'effort et tout, j'aime bien ses vêtements et tout, mais ça, je trouve que ça manque de couleur, parce que sans couleur, ça fait sombre, ça manque d'originalité. Enfin, il y a de l'originalité, mais c'est pas trop ça. Moi, il manque de la couleur. Sinon, je mets un 7 sur 10. Salut, alors moi, du coup, je m'appelle Noémie. je m'appelle Noémie, et Noémie de Jean Castex. Alors, souvent, les gens disent que je suis trop riche, mais c'est pas parce que vous êtes pauvre que je suis forcément riche. Hein. Regardez, par exemple, la voiture à côté, c'est papa qui me l'a achetée. Souvent, les gens disent que je suis la fille pour les gâter, mais bon, je comprends pas. Du coup, je vais vous montrer mon dressing. Suivez-moi. Moi, j'ai trop d'étages, hein. On se perd à force. Hein. Alors là, on a des petites vues sur mon jacuzzi. Hein. Et voilà. Alors, vous pouvez voir qu'il y a plein de tenues différentes. Par exemple, celle-là, c'est ma préférée. C'est un peu en mode dépressif, mais pas trop. Genre, il y a avec de la couleur quand même, en mode je suis joyeuse. Nous avons aussi celle-là, le petit crop top. Ah, franchement, le petit crop top Harry Potter, franchement, j'adore. Voilà. Et je veux juste dire un petit mot aux autres participantes. Désolée que vous soyez tombées face à moi, parce que franchement, je sais que je vais gagner. Regardez ma beauté. Bon, elle arrive. Ah. Pourquoi elle a des papillons? Ah, c'est très beau, hein, ouais. C'est pas des papillons, c'est des fleurs. Tu vois pas que c'est des fleurs? C'est pareil, ça se mange. C'est vrai que ça se mange. C'est trop bien, j'adore, c'est très beau. J'aime bien son sac. J'aime beaucoup le soleil. Son sac, il est noir, comme ton avenir. Ah, moi, j'aime bien le soleil sur son t-shirt. Quel soleil? Je vois pas de soleil. C'est une lune ensanglantée, tu vois pas qu'elle saigne? Moi, j'aime beaucoup cette lune. Et les lunes, ça saigne pas? Bah si, quand je prends mon couteau et que je les plante, ça saigne. Vous êtes très misère, madame. Aïe, c'est encore pire, mais madame! Meu Deus do céu! En quelle planète je suis? Franchement, son style, c'est limite comme mon style, c'est super beau. Bon, forcément, c'est moi la plus jolie qui a le meilleur style, mais je lui donne quand même un 10 sur 10. Ouais, ben moi sa tenue, j'ai trouvé moche, elle était vraiment pas belle. Heureusement qu'elle portait un sac noir et une lune ensanglantée sur le torse, parce que sinon je lui mettrais un moins 10. Mais comme je suis extrêmement sympathique aujourd'hui et que je suis obligée de mettre quand même une note positive, ben on va mettre une note de 3, non, de 0, pardon, excusez-moi, je sais pas trop lire. Mais voilà, je lui mets un 0, un bon gros 0, mais c'est venant de moi, c'est quand même bien, hein, voilà. Prends-la, la note. T'as écrit la note? T'as bien cadré? Caméra, t'as cadré? Ok, bah voilà, je lui mets un 0. Et bah moi, j'ai beaucoup aimé les petits papillons qui flottaient autour d'elle. Je sais pas comment les adresser. Faudrait que je fasse pareil avec mon élevage. Moi, personnellement, par contre, les points faibles, c'est qu'elle avait l'air un peu trop riche. Un peu trop... ensoleillé, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça que je mets la note de 5. Un peu moite-moite, quoi. Bonjour, moi je m'appelle Anaïs, j'ai 20 ans. J'adore tout ce qui est couleur, tout ce qui est Disney. Donc ça peut se voir un peu à mes vêtements. Bah voilà, j'aime juste tous les couleurs. J'aime pas être en noir et blanc, c'est pas original. Les couleurs, ça donne la joie de vivre et tout ça. Donc, je vais vous présenter mon dressing.
Alors, c'est tout en haut, ici. Donc voilà, c'est mon dressing. Donc des couleurs un peu par-ci, par-là, comme vous voyez. Donc j'ai des robes, ben, plus des robes parce que j'adore les robes. Des accessoires parce que sans accessoires, ça fait tout moche. Et les chaussures et tout ça. Oh mon dieu, c'est incroyablement beau. Oh, il y a des couleurs. Waouh. Et cute. Waouh. J'ai presque envie de pleurer. Je vais pleurer tellement c'est beau. Ça me fait penser à Bob l'éponge. Mes yeux. Moi, ça me fait plus penser à Patrick. Hein. Ouais, je sais pas, mais moi j'aime bien. Allez, bravo. Et c'est bon. J'ai envie de bouffer sa robe. Attends, quoi? Et les robes, ça se bouge pas? Ça se bouffe. On mange pas les robes? Oh bah dites-nous. Je savais pas que ça existait. Alors, déjà, sa tenue est déjà un peu mieux que l'autre dépressif. Mais elle a mis trop de couleurs. Trop de couleurs, tu la couleur. Et en plus, depuis quand tu mets une bouée pour sortir? Enfin, je sais pas. Sois logique, ma meuf. Hein. Franchement, sois logique. Hein. En plus, une jupe avec des bottes hautes, ça se voit pas. En plus, un mélange de rouge. Du rouge avec du marron. Pas capté son bail. Hein. Mais bref, dans tous les cas, elle a mis beaucoup de couleurs. C'est ça qui est sympa. Je mets la note de 7. Mais bon, revois quand même un peu les couleurs. Hein, parce que là, ça fait mal. C'est quoi cette enflure, là? Il n'y a pas assez de couleurs, c'est tellement sombre. Elle danse comme ça, comme une petite... Voilà, vous avez compris, quoi. C'est pour ça que j'attribue la note de 0, parce qu'elle a des gros yeux. Non, moi je dis qu'elle n'a pas respecté le thème. On avait dit être belle en étant quand même moche. Mais elle est quand même moche, même quand elle s'est habillée. Et puis, j'ai failli faire une crise d'épilepsie quand même. Il y a quand même beaucoup trop de couleurs. Vous pensez pas qu'il y a trop de couleurs? Hein? Il y a pas trop de couleurs? Quoi? La note? Ouais. Bah écoutez. 1-0. C'était nul. Nul! Alors salut, moi je m'appelle Béatrice. Je suis agricultrice dans l'âme depuis mes 5 ans. Je cultive les vaches et les moutons et... Je vends les boyaux et leur lait dans des confitures sur le marché noir. Alors suivez-moi, je vais vous montrer mon dressing. Désolé, ma maison est un peu délabrée. Alors, je mets mes vêtements dans ce petit frigo. On peut voir les taches de nourriture, mais c'est pas grave, ça se sèche au soleil. Ma maison est plutôt chaleureuse, là. Mes enfants, ils sont à l'école. C'est un peu bazar. Ils ont laissé la télé allumée. Ça, c'est bon pour les impôts. Et sinon, si vous voulez voir mon camion... Est-ce que vous voulez voir mon camion? Non? Ok. C'est pas grave. Je vais vous montrer quand même. Suivez-moi. Alors, mon camion, je l'ai vendu hier. C'est un peu la dernière fois que je vais le voir. Parce que je me suis rendu compte que j'avais une dent cassée. Et c'est pas bon pour les affaires, ça, les dents cassées, parce que ça porte malheur. Du coup, pour payer les frais du dentiste et du coiffeur, eh ben, j'ai vendu mon camion. Donc, je pourrai le voir une dernière fois à la télé. Voilà. Merci de m'avoir donné de l'argent à la prod. Oh, j'adore la danse qu'elle fait, la chorégraphie est géniale. Sa tenue. Je trouve qu'il y a tout qui va avec tout, en fait. Il y a une harmonie dans sa tenue et j'aime bien ça. J'aime bien les plumes derrière, c'est expressif. C'est digne de lui, ça. On dirait un cosplay animal, franchement. C'est stylé, mais bon, il y avait mieux. Mais je pense qu'elle a dû prendre un poulet dans sa basse-cour et elle a dû lui prendre toutes ses plumes, là. Le concept est intéressant. Vraiment, j'aime beaucoup.
puis le mélange de plumes. Elle avait des cheveux noirs avant, je sais plus. Mon cerveau sature. Comme mon eau sature. Il y a des modes que moi, ça me dépasse. Tu vois, c'est là, je ne comprends pas, hein. Vraiment. Hein. Mais franchement, je vais vous le dire, ta tenue, c'est n'importe quoi. Déjà, le pantalon, on dirait, il date de 3 ans. La jupe, enfin, je sais pas, tu mets pas un pantalon avec une jupe. Hein. C'est comme mélanger du noir avec du bleu pour essayer de faire du bleu marine. Hein. En plus, là, ces vieilles plumes, elles apprécient son poulet. Déjà, elle apprécie son poulet Barnard. Hein. Non, mais en plus, avec son pull rose, là, je te donne un petit conseil. Retourne voir tes vaches, retourne à ta campagne et viens par ici. Hein. Non, mais ici, c'est que pour les gens qui ont du style, un minimum. Hein. Même si la Dark Sasuke, au début, elle avait pas trop de style, là, je pense que mes yeux ont bien plus pire. Hein. Franchement, là... Je te mets franchement un 2 parce que je suis sympa de ta participation. Mais je sais pas, va là-bas. Parce que là, ta tenue, elle me fraye. Franchement, je trouve ça scandaleux. Elle a pris les plumes de ses oiseaux, non, des poules. Et c'est pas possible. Tu massacres pas des animaux pour une tenue. Franchement, moi, je mets 1. 1 parce que la tenue est bien trouvée, mais pas trop quand même. Ouais, sa tenue, ça va. En vrai, je trouve qu'il y a tout qui allait avec tout. Elle a choisi les bons vêtements. Elle a fait un truc assez harmonieux. Puis en plus, je lui donne des points bonus juste pour la maltraitance animalière. J'aime beaucoup ça. C'est très bien. Les plumes, il y avait encore un peu de sang dessus. Je trouvais ça génial. Sa tenue, je lui mets une note de... Ouais, de 100. 100, c'est bien. Comment ça, c'est sur 10? Mais je t'emmerde, moi, si j'ai envie de mettre un 100, je mets un 100. Eh oh! Eh! J'ai dit que je mettais un 100, ok? Bon, c'est qui a gagné, là? Ah, y a les résultats. C'est moi, c'est sûr. Ouais. J'ai combien de points, moi? Quoi? Comment ça, c'est un cactus qui a gagné? Mais c'est... Il a même pas participé, là! Oh! Eh, mais t'as pas participé. Je crois que vous avez même pas remarqué ma tenue, ma beauté. Mais attendez, je vais tuer tout. Pour le mérite, on le tue. Pour rien. Vite, on le massacre. On le massacre, on le bute. Reviens là. Ça sert à quoi t'as même pas participé.